Bonjour, monsieur Bernard-Henri Lévy, qui est notre invité ce matin, présente ce soir au Festival de Cannes un film qui va provoquer des remous dans le monde politique français. Ce film est un hommage à la résistance de la Bosnie, avec beaucoup d'images que nous n'avions jamais vues à la télévision française. Mais c'est surtout un réquisitoire très violent contre la non-intervention des pays d'Occident dans la tragédie de l'ex-Yougoslavie, ou plus exactement un réquisitoire contre le fait que nos pays aient, pour la plupart d'entre eux, laissé carte blanche aux Serbes dans la région. Votre thèse, monsieur Bernard-Henri Lévy, est en effet que les diplomates occidentaux et russes ont toujours considéré les Balkans comme une zone de désordre à laquelle il fallait un gendarme et qu'ils ont fait le choix de confier ce rôle à la Serbie, à celle-ci de faire régner son ordre à elle dans les Balkans, c'est-à-dire d'appliquer par les armes son projet de Grande Serbie. Alors j'ai vu votre film en compagnie de Luc Rosenzweig du Monde. C'est un film fort, un film d'écrivain engagé, passionné, au point d'être parfois simpliste et probablement injuste aussi. C'est un film dont M. Mitterrand et la diplomatie française ne sortent pas grandis. Vous dites d'ailleurs que notre président de la République portera une responsabilité considérable, terrible, devant l'histoire. Luc Rosenzweig vous interrogera donc sur votre film et sur la colère des Bosniaques après le dernier projet de découpage concocté vendredi par les Américains, les Russes et les Européens. Nous parlerons aussi de l'action humanitaire et des 11 otages de l'association Première Urgence. Enfin, avec Alain Duhamel, ensuite, nous élargirons le sujet. Je veux dire que, bien sûr, que nous l'élargirons géographiquement pour parler de la sécurité sur l'ensemble de notre continent et de la construction de l'Union européenne. L'Europe est-elle morte à Sarajevo, ou bien est-ce qu'elle a encore une mission dans ce monde à accomplir? Et si oui, laquelle? C'est une question que les gens se posent au moment où ils vont voter pour le renouvellement du Parlement européen. Enfin, Albert Duroy vous interrogera sur la France et ses difficultés actuelles, la politique de la jeunesse, la méthode Balladur, l'avenir de la gauche et le rôle que les intellectuels jouent ou qu'ils ne jouent pas pour redonner à la politique sa fonction prophétique qu'elle n'assume pratiquement plus jamais. On commence avec Luc Rosenzweig du Monde. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Parlons de votre film d'abord, si vous le voulez bien. Et j'ai vu Bosna, et je trouve que c'est un film fort, même terrible, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un certain malaise. Et je vais vous dire pourquoi. Ce malaise, c'est de dire pourquoi avoir voulu faire un film de propagande alors que la simple explication des choses était suffisante pour défendre une bonne cause. Je vous donne un exemple. Ce soldat serbe que vous interviewez pendant au moins 10 minutes dans votre film, il est prisonnier des Bosniaques. Quelle crédibilité ajouter à ses paroles? Attendez, d'abord, je n'ai pas fait un film de propagande, ça c'est vous qui le dites, j'ai fait un film de combat, ce qui est tout à fait différent. J'ai fait un film en hommage, comme l'a dit Virieu tout à l'heure, à la résistance bosniaque et pour tenter, avec mes faibles moyens, d'aider cette résistance bosniaque en Occident. D'autre part, ce milicien serbe accusé de viol, de meurtres nombreux et qui témoigne dans ce film. D'abord, ce ne sont pas des Qui en images à parle moi, complaisamment. complaisamment. D'abord, ce ne sont pas des images que j'ai tournées, ce sont des images bosniaques. Alors, je vous signale pour votre information que ce sont des images qui sont passées sur toutes les télévisions du monde et notamment les télévisions américaines, que son procès a été suivi par toutes les chaînes de télévision et tous les journalistes présents à Sarajevo, que John Burns, qui a partagé son prix Pulitzer avec Roy Guttman, l'a eu notamment sur cette affaire-là, sur Irak, puisqu'il a enquêté sur le cas de ce violeur, de ce criminel, il a vu la famille, les témoins, etc. Donc ce témoin est considéré par tous les professionnels et par tous les gens qui connaissent un peu la Bosnie comme un témoin fiable. C'est la raison pour laquelle ce document d'origine bosniaque, j'ai tenu en effet à l'intégrer dans ce film car il était terrible. Et il était terrible pour deux raisons. Pas seulement parce qu'il raconte des choses abominables, mais parce qu'il les raconte sans l'ombre d'un regret Oui, mais ou vous d'un pensez, remords. Bernard-Henri, vous pensez que le témoignage d'un prisonnier qui est aux mains de ses geôliers est convenable? Je pense que le témoignage d'un homme qui a bénéficié d'un procès public, qui encore une fois a été suivi par tous les observateurs internationaux, est un témoignage fiable en effet. Et d'autre part, je vous rappelle, je vous répète que je le présente comme tel, c'est-à-dire comme un document d'origine bosniaque. C'est une image d'ailleurs, encore une fois, qui n'est pas inédite. Il y a en ce moment au Festival de Cannes, il y avait avant-hier, je crois,
la projection d'un très bel ensemble d'images qui vient du groupe de cinéastes de Sarajevo, Saga, Ademir Kenović et ses amis. Ils ont également donné quelques extraits de cette interview et je crois qu'ils ont eu raison de le faire. Bon, autre point qui m'a gêné. Lorsque vous présentez l'armée serbe comme une bande de soldats cavinés, vous dites même qu'ils oublient même de ramasser ses morts. Et puis d'un autre côté... Vous dites à deux reprises les braillards de la colline d'en face. Bon, et puis même c'est... Ne suffit-il pas de les présenter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des agresseurs, et non pas comme des monstres? Parce qu'on ne dira pas que dans toutes les armées du conflit, il n'y a que des anges qui ne boivent pas et qui sont des modèles de vertu. Je n'ai rien contre le fait de boire, il ne s'agit pas de ça. Je dis en revanche que depuis le début de ce conflit, on nous a présenté l'armée serbe autrement que ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on nous l'a présentée comme une armée redoutable, les diplomaties occidentales, François Mitterrand, Alain Juppé encore, les militaires de la Fort-Prenu, qui sont bien souvent la source unique d'information des chancelleries et de la nôtre, on nous a présenté cette armée comme une armée terrifiante qui était de nature à paralyser toute espèce de volonté de riposte occidentale. Donc j'essaye dans ce film de rétablir la vérité. Je crois que les milices serbes, les 30 000 hommes qui assiègent Sarajevo et les autres villes de Bosnie, ne sont pas cette armée effrayante. J'ai voulu rétablir les choses. Alors, ça veut dire que vous voulez dire qu'elles peuvent être vaincues par un engagement minime. Je veux dire qu'on nous a intoxiqués. Je veux dire que depuis le début de cette affaire, on a assisté à un bluff formidable. On nous disait que la moindre riposte, la moindre manifestation de fermeté occidentale provoquerait des conséquences apocalyptiques. Que ça provoquerait une riposte immédiate sur les casques bleus, que cela provoquerait un embrasement de la région, que cela provoquerait peut-être même la guerre mondiale, l'entrée des Russes dans la guerre, que sais-je encore. Or, ce que je dis, avant de dire que ce sont des braillards, c'est qu'à trois reprises, l'Occident a manifesté sa fermeté. Très tard, mais à trois reprises. En septembre, au moment des monts Igman. En février, au moment de l'ultimatum à Sarajevo et plus récemment à Gorazde. Et qu'à chacune de ces trois reprises, les Serbes ont immédiatement reculé. Cette armée terrible, qui était supposée devoir tenir en échec toutes les armées occidentales, a reculé à trois reprises. Voilà ce que je dis dans le film et qui me paraît devoir être répété, car on intoxique les téléspectateurs, on intoxique les citoyens avec le mythe d'une supposée invincibilité de l'armée serbe, et cela me paraît scandaleux. Bien, maintenant, passons aux origines du conflit. Ce qu'on ne sait pas en voyant votre film, c'est que lorsqu'il s'est agi pour la Bosnie de proclamer son indépendance, il y a eu un référendum. Ce référendum a donné comme résultat un vote à environ 60% en faveur de l'indépendance, mais avec l'hypothèque de départ que les Serbes de Bosnie, parce qu'ils sont de là aussi, n'ont pas, eux, voté pour cette indépendance, ils se sont abstenus. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé dans votre film? C'est plus compliqué que ça. Si on rappelle cela, vous avez raison de le faire. Il faut rappeler aussi que ce référendum a été recommandé par les Européens et notamment la Commission Badinter. Il faut rappeler aussi qu'à la veille de ce référendum, la Bosnie-Herzégovine a été le théâtre d'une campagne d'intoxication et de propagande, là pour le coup, sans précédent depuis très longtemps, et ne prenons pas de grands exemples qui peut-être écraseraient le débat actuel. Ce que l'on oublie, c'est que c'est la stratégie classique, c'est la stratégie, toute proportion gardée, Hitler sur la Tchécoslovaquie. On commence par hystériser une minorité, les Sudètes, par la faire vivre dans l'idée qu'elle serait l'objet d'une menace latente, et puis ensuite, pour venir à son secours, on intervient. Donc il y a eu un scénario, en effet, monté à partir de Belgrade, direction des Serbes de Bosnie, débouchant sur cette abstention au référendum et provoquant, en effet, cette guerre. Mais simplement, ne fallait-il pas attendre quelque chose qui soit calmé avant de mettre l'indépendance? Ce qui m'intéresse surtout, cher Rosenzweig, c'est que la communauté internationale a reconnu la Bosnie-Herzégovine. Et que par conséquent, dès le premier jour, dès le 4 avril, dès les premiers tirs sur cette ville, nous avions des devoirs, nous avions des obligations vis-à-vis de ce pays internationalement reconnu et que ces obligations, nous nous en sommes allègrement moqués. Le véritable scandale, il est là. Bien, ça donne une excellente transition pour la deuxième partie de mes questions qui concerne la situation aujourd'hui. Alors, vendredi, les grandes puissances, c'est-à-dire la Russie, l'Union européenne, c'est-à-dire la France et les représentants de l'Union européenne, et puis les États-Unis, se sont réunis et ils ont pris des décisions concernant à demander aux belligérants un cessez-le-feu de 4 mois renouvelable et de se mettre à la table de négociation pour discuter enfin du partage
de la Bosnie-Herzégovine. Alors, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, le temps est venu de séparer les vivants pour éviter d'enterrer les morts ? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire les belligérants. Encore une fois. Vous avez fait du latin. Les belligérants, ceux qui mènent une guerre. Ce sont ceux qui mènent une guerre. C'est une guerre d'un type un peu particulier. C'est neutre. Non. Ah oui, justement, mais c'est peut-être trop neutre. C'est peut-être trop neutre pour cette guerre-là, où il y a un agresseur et un agressé, où il y a d'un côté un agresseur qui ouvre des camps de concentration, qui pratique le racisme à grande échelle, qui prône et qui pratique la purification ethnique, et de l'autre côté un gouvernement qui, jusqu'à plus ample informé, est un gouvernement démocratique fondé sur de tout autres principes. Donc les belligérants, déjà, je crois qu'il faut faire très attention à ce mot. Et puis, le temps est venu de séparer. Séparer pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire séparer ? Cette fameuse partition dont on nous parle et qui est au cœur de tous les plans. Ce n'est pas une partition entre pays, ce n'est pas une partition entre ethnies, c'est les mêmes ethnies. Ça encore, il ne faut pas se lasser de le répéter. Attendez, je le répète là, dans le film. Préciser. Eh bien, les Serbes de Bosnie, les Croates de Bosnie, ce ne sont pas des ethnies, les mots ont un sens. D'accord. Ce ne sont pas des ethnies différentes. Disons que ce sont des religions aussi différentes, des nations. Je ne crois pas non plus que ce partage se ferait sur une ligne religieuse, car vous savez que, aussi bien que moi, qu'à Sarajevo, qu'à Tuzla, qu'à Gorazde, il y a des orthodoxes, il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a tout simplement des agnostiques. Il y a une imbrication formidable. Il y a plus qu'une imbrication. Il y a une civilisation assez extraordinaire, d'ailleurs, qui est une civilisation de mélange, de tolérance et de cosmopolitisme. Il y a un personnage qui vient souvent dans le film et qui est d'ailleurs dans le livre de Zlatko Dizdarević, Portrait de Sarajevo. Zlatko d'ailleurs qui nous a fait l'honneur, qui arrive de Sarajevo, d'être sur ce plateau aujourd'hui avec nous. Oui, il faut rappeler que M. Dizdarević est le rédacteur en chef de Libération. Du journal Oslobodjenje, qui en bosniaque veut dire Libération, qui est ce journal héroïque qui n'a cessé de paraître pendant toute la durée de la guerre au prix de difficultés et de risques inouïs sur lesquels je n'ai pas besoin d'insister. Donc il y a un personnage, par exemple, qui s'appelle le général Jovan Divjak. Parfait. Ce général, c'est le numéro 2 de l'armée bosniaque. C'est l'homme qui est chargé de la défense de Sarajevo et de la Bosnie. Eh bien, M. Rosenzweig, c'est un Serbe et c'est un orthodoxe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, partition ? Donc, ce n'est pas une partition entre ethnies. Ce n'est pas une partition entre religions. Ce n'est pas des pays. Ce serait une partition entre une Bosnie démocratique et une Bosnie totalitaire. Ce serait une partition entre une Bosnie antifasciste et une Bosnie fasciste. Est-ce que l'Europe a mission, l'Europe d'après Maastricht, l'Europe qui est supposée être sur la voie de sa construction, est-ce qu'elle a la mission de consacrer ce partage-là ? Ce serait le seul sens de ce partage. Et c'est pourquoi il y a un certain nombre de gens aujourd'hui raisonnables qui refusent le principe de cette partition. Bon, d'accord. Mais je vous laisse la responsabilité de désigner l'autre Bosnie comme la Bosnie fasciste. Il suffit peut-être de l'appeler national-communiste. On peut l'appeler comme on voudra. Mais écoutez, quand on ouvre des camps de concentration, quand on pratique le racisme à grande échelle, quand on brûle les livres, quand on mutile les corps, quand on fait éclater la tête des enfants depuis les collines de Sarajevo à la mitrailleuse lourde, vous pouvez donner à ça le nom que vous voudrez, mais vous ne pouvez pas renvoyer cela dos à dos et faire comme si c'était la même chose que le gouvernement agressé de Sarajevo. Alors on peut se corréler sur les termes, mais je crois là-dessus que la cause est entendue. Ne rouvrons pas ce débat-là devant ceux qui nous écoutent. Je crois qu'on va conseiller aux gens d'aller voir le film et on enchaîne sur la Bosnie d'aujourd'hui. La Bosnie d'aujourd'hui. Bien, écoutez, sur cette partition justement, mais il me semble bien que déjà le gouvernement de Sarajevo l'a accepté dans son principe, puisqu'ils ont signé à Genève un accord pour la fondation d'une fédération croato-musulmane. Et le seul problème en ce moment qui, à mes yeux, est en train d'être discuté, c'est est-ce que c'est 51 ou 58%. Mais alors, donc, est-ce que cette fédération croato-musulmane aura 58% du territoire de la Bosnie comme elle le demande, ou 51% comme les Occidentaux cherchent à lui imposer depuis des semaines ? Mais donc, sur le principe que vous condamnez, cherche à lui imposer, le mot est bien choisi. On a vraiment le sentiment parfois que le vrai propos des Occidentaux est d'imposer leur solution. Attendez, un mot simplement. Et d'imposer cette fameuse solution moins aux Serbes qu'aux Bosniaques, moins aux bourreaux qu'aux victimes. Ce que je vous... Il y a là une situation étrange. Vous demandez de refuser la partition, mais il semble que ceux que vous soutenez en aient au moins accepté le principe, puisqu'ils ont signé une convention à Vienne. Ce que je soutiens, c'est-à-dire le gouvernement de Sarajevo, est un gouvernement sage, raisonnable, qui essaie de sauver ce qui peut l'être de cette civilisation bosniaque dont il est aujourd'hui l'héritier.
Ce qui peut être sauvé aujourd'hui de cela, c'est en effet ce mariage, en tous les sens du terme, d'ailleurs, parce que ce sont des populations... On parle souvent de Sarajevo comme d'une ville de la coexistence des communautés. Ce n'est pas vrai. C'est une ville du mélange des communautés. Oui, donc, vous ne pouvez pas dire ça de toute la Bosnie. Ce qui peut être sauvé aujourd'hui, c'est le mariage entre les catholiques et les musulmans et ceux qui restent d'orthodoxes, et ils sont nombreux, à l'intérieur de Sarajevo et de Tuzla. Que le gouvernement de Sarajevo accepte cela me paraît être le signe de son esprit de mesure et de raison. Ben, gardez-le aussi pour vous. Merci, Luc Rosenzweig. Il y a une question dont nous n'avons pas parlé, c'est l'affaire des otages de l'association Première Urgence. Je vous propose de voir tout de suite ce que le président de la République en a dit cette semaine. Bon, on voudra. Et ils sont prisonniers, et ils ont valeur d'otage, c'est-à-dire qu'ils peuvent servir pour ceux qui les détiennent de monnaie d'échange. Monnaie d'échange contre telle ou telle concession politique, monnaie d'échange contre telle ou telle concession militaire. Et la France n'a pas les moyens de taper du poing sur la table. Ça, ce serait à taper sur le poing sur la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, enlever, réaliser ce qui est difficile à réaliser dans un pays peu connu, qui dispose de beaucoup de défenses naturelles, de relief. Découvrir ces otages ou ces prisonniers, ils sont l'un et l'autre, et les délivrer. Si cela devait être envisagé, je ne vous dirais pas on va le faire. Mais je pense que ce ne serait pas la bonne méthode. On prendrait des risques énormes pour leur vie, et je pense que la négociation reste possible. Donc le coup de poing sur la table, je ne pense pas, je pense que la négociation doit primer. Et c'est... Alain Duhamel. Bonjour. Bonjour. Vous mettez effectivement beaucoup en cause les responsabilités spécifiques de François Mitterrand. Si vous le mettez en cause, est-ce que c'est parce que, comme vous êtes français, vous pensez que c'est normal que vous vous attachiez particulièrement aux responsabilités françaises, ou est-ce que si vous étiez anglais, vous auriez dit la même chose de John Major, si vous étiez américain, la même chose de Bill Clinton, si vous étiez allemand, la même chose d'Helmut Kohl? C'est sans doute parce que je suis français, c'est sans doute aussi parce que les gens de Sarajevo, les Bosniaques, en tout cas mes amis bosniaques, attendaient beaucoup de la France et attendaient beaucoup plus de la France et qu'ils ont été terriblement déçus. Il faut que vous sachiez, vous le savez sûrement, que lorsque François Mitterrand est allé à Sarajevo en juin 1992, il a été accueilli comme le sauveur de la ville, il a été accueilli par le Messie. Pour certains d'entre eux, il y a dans le film un personnage... Comme, on avait compris. Comme le Messie. Il y a dans le film... un personnage qui raconte que c'était le jour le plus important de sa vie. Eh bien, cette visite a tourné court, comme vous savez, et a fini par susciter une très grande déception. Donc, c'est mon point de vue, mais je crois que c'est aussi le point de vue des intellectuels de Sarajevo et des gens de Sarajevo en général. Au départ de ce conflit, quand François Mitterrand avait insisté sur le fait qu'il fallait commencer, avant toute chose, par essayer de se mettre d'accord sur le droit des minorités dans l'ex-Yougoslavie, sur les frontières, sur les droits des individus, est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez qu'il avait raison ou pas ? Il avait raison, bien sûr. Il avait raison de dire cela. Il avait tort de ne pas ajouter immédiatement, de ne pas adresser à la Serbie, qui était déjà l'État agresseur en puissance, puisque je vous rappelle que les menaces sur le Kosovo, etc., avaient commencé bien avant, de ne pas adresser des menaces extrêmement fermes. La France a été sûrement contestable dans ses choix, mais incontestablement aussi active pendant cette période. Elle a pris des risques, elle a envoyé plus de casques bleus que les autres, elle a envoyé plus de convois humanitaires que les autres, elle a essayé de prendre des initiatives, bonnes ou mauvaises, c'est un autre problème. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'injustice à la charger plus que d'autres? Elle a surtout envoyé beaucoup de journalistes aussi. Les États-Unis aussi. Grande présence, grande couverture de cette guerre par les télévisions et par les journaux français. Ça, en revanche, c'est à notre honneur. Alors, qu'on ait fait des choses, oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il ne suffit pas de faire des choses. Moi, je prétends aujourd'hui que lorsque le président de la République, par exemple, a déclaré à l'été 92 qu'il ne fallait pas ajouter la guerre à la guerre, je pense que c'était une erreur monumentale, que c'était une manière de dire aux Serbes, c'est-à-dire aux agresseurs, vous pouvez y aller, il ne se passera rien, c'était l'anti-dissuasion. Je pense que le dispositif humanitaire qui a été mis en place avait bien entendu des côtés positifs. Et ça a sauvé des vies. A sauvé des vies, évidemment. Et qu'il a eu aussi des effets pervers sur lesquels nous sommes à peu près, je crois, tous d'accord. Et surtout, la conclusion à laquelle je suis arrivé aujourd'hui, c'est l'un des résultats de l'enquête que constitue ce film. C'est que sur la question cruciale,
qu'est la levée de l'embargo, je pense que la France a été en pointe, non pas pour le réclamer, mais pour l'empêcher. Car enfin, la situation est celle-là. Il y a là un peuple victime d'une agression inouïe en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. De deux choses l'une, ou bien nous le défendons, ou bien nous le laissons se défendre. Ces deux solutions lui ont été interdites et nous avons littéralement lié les mains au gouvernement et à l'armée bosniaque. Et sur ce point, je crois que la France a joué un rôle tout à fait néfaste. Quand vous voulez dire lever de l'embargo, c'était sur les armes au bénéfice sur les armes au bénéfice des bosniaques. Oui, car il y a aujourd'hui aussi l'autre embargo qui était sur les Serbes, voilà, sur le plan économique et pour lesquels la France a également été en pointe, si j'ose dire. Oui, pour laquelle la France a été en pointe, encore qu'aujourd'hui il y ait des discussions avec les Américains sur la question de la levée graduelle des sanctions en question. Mais c'est toujours la France en pointe et les États-Unis qui, eux, seraient... Hein ? Écoutez, pour moi, la question essentielle est de savoir si, oui ou non, on a donné aux Bosniaques les moyens de se défendre, ou si, au contraire, on leur a lié les mains. Nous leur avons lié les mains, et la France a joué un rôle dans cette action-là. Alors, deux dernières questions là-dessus, avant de passer à l'Italie. Première question, aujourd'hui... Une des menaces qu'agite la France vis-à-vis de ses alliés dans les discussions actuelles à propos du sort de la Bosnie, c'est celle de retirer ses casques bleus. Est-ce que vous le souhaiteriez, vous, que la France retire ses casques bleus, qui, je le rappelle, constitue le contingent le plus important? Ça dépend ce qu'on veut dire par là. Si retirer le casque bleu est une menace adressée aux Bosniaques, car pour l'instant, c'est un peu ça que ça veut dire. Si vous ne signez pas, si vous n'acceptez pas les 51%, si vous n'acceptez pas la paix que nous vous avons concoctée, alors on vous abandonne, on retire les casques bleus, on boucle le pays, on jette la clé et vous vous débrouillez. Ça s'adresse aussi aux États-Unis, qui est de dire si vous ne prenez pas votre part de responsabilité, on ne continuera pas à la prendre seul. Ça s'adresse aussi aux Bosniaques et je crois que c'est ainsi que cela est perçu dans les grandes villes de Bosnie et notamment à Sarajevo. Si vous n'êtes pas sage, si vous n'acceptez pas cette partition que nous vous avons préparée, si vous n'acceptez pas de nous foutre la paix une bonne fois, alors on s'enlève les mains, on retire les casques bleus. Si c'est ça, ça s'appelle la démission et c'est ajouter une autre forme de lâcheté et de honte à celle qui nous poursuit depuis 2 ans. Si en revanche, le retrait des casques bleus est le prélude à autre chose, et ça je conçois très bien qu'on ne nous le dise pas, c'est-à-dire enfin à cette prise de responsabilité par l'Europe que nous sommes un certain nombre en France et dans cette salle à appeler de nos voeux depuis si longtemps, alors c'est une autre affaire. On verra bien. Mais j'ai bien peur que ce ne soit la première solution qui ne soit la plus plausible. Alors, dernière question sur ce point. Vous faites un parallèle délibéré, très argumenté d'ailleurs, entre la Bosnie d'aujourd'hui et la guerre d'Espagne d'avant la guerre. Et il y a un certain nombre de gens qui connaissent aussi bien la question. Je pense à Jörg Samprun aujourd'hui dans le Journal du Dimanche. Je pense à Jean Daniel dans son article de cette semaine dans le Nouvel Observateur, qui nient cet aspect des choses. C'est-à-dire qui disent, oui, c'est quelque chose de dramatique, qui vous donne raison sur l'essentiel de votre analyse sur la Bosnie, qui vous donne raison, mais qui disent, ce qui est vrai sur le cas bosniaque, ça n'est pas quelque chose dont on puisse ensuite tirer des conséquences pour l'ensemble de l'Europe, et notamment sur les risques de contagion, de guerre, etc. Hors de l'ex-Yougoslavie. Ils ont évidemment raison. Il est clair qu'on ne peut pas comparer les choses terme à terme et que la guerre de Bosnie n'est pas la guerre d'Espagne. Cela dit, vous me permettrez de répondre à Jean Daniel notamment et à Semprun, 3 choses. Jean Daniel qui dit que vous êtes le Malraux de la fin du siècle. Oui, qui a en effet fait un éditorial tout à fait réserve. Alain Duhamel, c'était plutôt attardé. Oui, C'était non, j'avais dit qu'il vous rendait hommage en ce qui concernait pour que nos auditeurs comprennent bien, il vous rendait hommage en ce qui concerne votre analyse des responsabilités sur le cas de la Bosnie. En revanche, là où ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est vrai de Jean Daniel, c'est vrai de Jörg Samprun, c'est d'en tirer les mêmes conséquences qu'à propos de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire de dire, au fond, c'est une répétition de grandes puissances antagonistes. Bon, alors, en effet, ce n'est pas la même chose. Cela dit, premièrement, c'est toute la question de l'utilisation de la mémoire. C'est bien de faire le procès Touvier, mais si le procès Touvier ne sert à rien, si la mémoire n'est pas mobilisée pour autre chose, ce n'est pas la peine. On peut en faire l'économie. Deuxièmement, la comparaison avec la guerre d'Espagne, ça je le dis dans le film, c'est moi qui l'ai fait bien sûr, ce sont aussi les Bosniaques. Lorsqu'on interroge les combattants bosniaques, les défenseurs de la ville, sur ce qu'ils ont dans la tête quand ils sont derrière leur barricade et qu'ils font face aux Serbes, ils vous répondent que les exemples qui les animent, les modèles qui les galvanisent, ce sont les gaullistes de 40 et les Espagnols de 36. Et puis enfin, troisièmement, bien probablement, la Bosnie n'est-elle pas le prélude à une guerre mondiale. Mais enfin, il y a tout de même un danger aujourd'hui qui s'appelle la Russie et qui s'appelle Jirinovski. Et je crois que ce qui se passe en Bosnie, je parie en tout cas, je fais le pari,
que cela est observé avec la plus extrême attention par un leader russe qui s'appelle M. Jirinovski, que l'on a eu tort, me semble-t-il, de prendre pour un guignol et de traiter à la légère. Le problème me semble extrêmement sérieux et pas sans rapport avec la Bosnie. Alors, avant qu'on quitte la Bosnie, on va revenir sur la question de sécurité européenne. Avant qu'on quitte la Bosnie, je voudrais avoir la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment vous réagissez à ce qu'a dit le président de la République sur les otages français de l'association Première Urgence ? Écoutez, c'est toujours la même chose. Comment je réagis ? C'est difficile à dire. Le Président de la République a dit deux choses qui me semblent étranges. Première chose, il dit un pays montagneux, difficile, etc. Oui, mais on sait où sont les otages de première urgence. Ils sont près de la caserne de Lukavica, qui est un endroit connu, repéré par les journalistes, par les casques bleus, par les forces de l'ONU. Alors, on fait quoi ? Donc, attendez. Premier point, je le trouve là étrangement sous-informé, délibérément ou non, mais peut-être pas délibérément. D'autre part, on ne va pas taper sur la table et... On a parlé, je crois, de négociations. Moi, j'ai appris une chose depuis 20 ou 25 ans que j'observe un peu la scène internationale, c'est qu'on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les preneurs d'otages. C'est ce qu'on nous a dit en d'autres circonstances. La négociation ne paie jamais. Alors, j'aurais préféré que le président de la République nous dise cela, nous rappelle ce principe démocratique élémentaire. On ne négocie pas avec les preneurs d'otages. Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous savez que ce qu'on reproche à nos otages, c'est d'avoir introduit des armes dans leur camion. Laissons leur cas de côté. Si vous, vous aviez la responsabilité d'une colonne de camions humanitaires, est-ce que vous chercheriez à faire entrer des armes par ces camions, oui ou non ? À destination des Bosniaques, bien entendu. Certainement pas à l'insu de ceux qui m'accompagneraient, et encore moins à l'insu de ceux qui m'auraient confié leur argent, leurs dons, et ainsi de suite. Certainement pas. En revanche, l'idée de faire passer des armes en Bosnie un jour, si cet embargo devait décidément, sur les armes, ne pas être levé, si la communauté internationale devait aller au bout de la démission et de la honte, si les grandes villes bosniaques étaient sur le point de tomber, alors faire passer des armes en Bosnie me paraîtrait... Dans des convois d'aide humanitaire. Ce ne serait pas des convois d'aide humanitaire. Je vous répète, en aucun cas tromper les gens sur la marchandise, si j'ose dire. Il nous reste 5 minutes pour l'Italie, le populisme européen et la sécurité. Alors l'Italie, comment est-ce que vous réagissez à l'entrée de 5 ministres néofascistes dans le gouvernement de Berlusconi ? Écoutez, je réagis comme je crois tous les démocrates devraient réagir. Je suis étonné que tous les démocrates ne réagissent pas de la même manière. Ça me semble être une date capitale dans l'histoire de l'Europe. Personnellement, je pense que Berlusconi échouera, pour un certain nombre de raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer aujourd'hui. Mais même s'il échoue, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer et qui seront des pierres noires sur l'histoire de cette fin de siècle. Cinq ministres fascistes au gouvernement. Écoutez, nous avons les uns et les autres protesté en son temps, et j'en étais. En 1981, contre l'entrée de ministres communistes au gouvernement. Eh bien, je suis au moins aussi indigné, sinon davantage, par l'entrée de ministres fascistes au gouvernement de Berlusconi. Qu'aujourd'hui, dans le pays de Pasolini, de Fellini, de Sciascia, de Rossellini, le ministre de la Culture, qu'on appelle en Italie le ministre des Biens culturels, soit un ministre monarchiste mais lié au parti fasciste, me semble être quelque chose d'assez énorme quand même. Vous mettez sur le même plan les ministres communistes dans le gouvernement français, les ministres néofascistes dans le gouvernement italien ? Ça me semble plus grave cette fois-ci, car un tabou vient d'être levé, un verrou vient de sauter. Cela faisait 45 ans que ces gens-là étaient exclus du débat démocratique, étaient exclus du gouvernement des grands pays européens. L'Europe s'était bâtie sur le mot d'ordre « plus jamais ça ». Alors, pourquoi ? Vous dites que c'est un symbole, une transgression, une rupture. Pourquoi maintenant ? Un, parce que la classe politique italienne s'est déconsidérée. Deux, parce que ce que Guy Debord appelait la société du spectacle dans un livre prémonitoire a triomphé. Et a triomphé, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, en Italie. Voilà les deux raisons qui font que nous avons aujourd'hui, au cœur de l'Europe, dans ce pays exemplaire qu'est l'Italie à bien des égards, et pas seulement politiquement. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a cette tâche, En deux mots, pour qu'on parle du populisme, en deux mots, comment est-ce que vous souhaitez que réagisse le gouvernement français et concrètement les ministres français dans un cas comme ça ? Je crois que la position... Je n'ai pas beaucoup entendu les ministres français. J'ai entendu Charles Mignon, j'ai entendu Jacques Lang, j'ai entendu Laurent Fabius, qui ne sont pas tout à fait des ministres français en exercice, qui l'ont été, qui le seront. C'est évidemment le problème. Et ils ont eu pourtant une position assez raisonnable qui consistait à dire que ces hommes-là devaient être boycottés.
C'est-à-dire devait être mis au banc de la société des responsables politiques avec lesquels on peut parler. Autrement dit, à vos yeux, il est possible qu'un gouvernement qui a été élu démocratiquement, les élections étaient régulières, qui appartient à l'Union européenne, puisse avoir un certain nombre de ses membres boycottés au sein de l'Union européenne. Ça vous paraît possible ? Ça me paraît regrettable et ça me paraît même tragique, mais ça me paraît possible. Car le fait que ces hommes aient été élus démocratiquement signifie, vous le savez aussi bien que moi, pas grand-chose. Hitler a été élu également démocratiquement au terme d'élections normales et ne parlons pas d'autres cas. Le populisme derrière ça, il y a aussi eu en Italie, à l'occasion de ces élections législatives, une montée de ce qu'on appelle le populisme. On l'a vu en Italie. On y a assisté également en Russie. Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce que vous évaluez ça? Expliquez d'abord pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant le populisme? Oui. Parce que crise de la démocratie représentative. Qu'est-ce que ça veut dire le populisme? Pas en Russie. Les gens, attendez. Pas en Russie. Non, bien entendu. Parce que crise d'identité, parce que crise de civilisation, tout ce que vous voudrez. Mais ça veut dire, le populisme... Non, mais c'est important de savoir ce qu'on veut, là. Alors, il y a deux cas différents, en Russie et dans les démocraties occidentales. Voilà. Et c'est simultané. C'est simultané. Dans les démocraties occidentales, en effet, perte de confiance dans les systèmes classiques de la démocratie représentative, le parlementarisme, ainsi de suite. Donc, nostalgie d'une démocratie directe, d'une démocratie plébiscitaire, qui est très exactement la définition du populisme. Le populisme, c'est quoi? C'est l'idée que la volonté générale est déchiffrable immédiatement, qu'elle n'a pas besoin de relais pour s'exprimer ou pour être décryptée. Et donc qu'elle est bonne en elle-même. Et qu'elle est bonne en elle-même, bien entendu. Que si une majorité de Français sont spontanément et par voie de sondage s'expriment spontanément en faveur de la peine de mort, eh bien il faut rétablir la peine de mort. Voilà le principe du populisme. C'est pas seulement... Bon, alors, conséquences. Conséquence, vous voyez ça surgir en Russie, vous voyez ça s'épanouir en Italie, vous voyez ça apparaître en France. Conséquence, je crois qu'on a triomphé, on a pavoisé un peu vite lorsque, en 1989, au moment de la chute de Berlin, du mur de Berlin, on a parlé de fin de l'histoire, de démocratie triomphante et ainsi de suite. Il y a aujourd'hui un spectre qui hante l'Europe. Ce spectre, c'est la Bosnie-Herzégovine. Ce spectre, c'est le populisme. C'est la même chose. Et c'est une vraie ligne de partage qui sépare tous les pays d'Europe et probablement nous-mêmes. Alors, une dernière question à laquelle vous répondez brièvement pour que ce ne soit pas au détriment d'Albert Duroy. Qui incarne à vos yeux le moins mal l'espérance européenne aujourd'hui ? En France, en Europe, en France, il y a un homme qui l'incarne en effet le moins mal et peut-être même le mieux, il s'appelle Jacques Delors. Et là encore, pardon d'y revenir, là encore parce que sur une question qui me semble être la seule question européenne vraiment sérieuse aujourd'hui, qui est la question de la Bosnie. Parce que sur cette question-là, Jacques Delors a tenu récemment, sur une chaîne qui n'est pas celle-ci, mais qui est Arte, a tenu des propos qui m'ont semblé bouleversants, admirables. Il est dommage que Jacques Delors n'ait pas été aux affaires lorsqu'il a proféré ces quelques phrases. Merci Alain Duhamel. On enchaîne avec Albert Duroy. Monsieur Jacques Delors est régulièrement invité ici. Malheureusement, ces temps-ci, il ne souhaite pas s'exprimer. Albert Duroy. C'est dommage. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Vous avez souligné à plusieurs reprises la responsabilité de l'Europe dans l'affaire dramatique de la Bosnie. Il y a la responsabilité des intellectuels. Est-ce que les intellectuels doivent s'engager aujourd'hui, à moins d'un mois des élections européennes, doivent s'engager aujourd'hui pour dire quelle Europe ils veulent? Je crois qu'ils doivent le faire et je crois qu'ils le font. Vous avez depuis quelques jours une floraison de textes et de manifestations qui vont dans ce sens. Et la plupart des intellectuels français, n'en déplaise à M. Juppé, nous disent que l'Europe qu'ils veulent est une Europe qui traiterait la question de la Bosnie-Herzégovine, qui défendrait l'Europe et les valeurs européennes en Bosnie. C'est ce que vous avez ici, Romain Goupil, Daniel Rondeau, Philippe Soler, Tarek Alter, de nombreux, André Glucksmann qui n'est pas là, tous sont d'accord aujourd'hui pour dire que la grande question européenne, aujourd'hui, c'est de vaincre le fascisme, le national-communisme, comme vous voudrez, ou le populisme en Bosnie-Herzégovine, parce que c'est un cancer et que ces métastases ne font que commencer. Et alors, on voit les premières métastases en Italie, on en verra d'autres ailleurs, plus tard et plus redoutable. On va en parler tout de suite. Comment allez-vous, vous engager? Écoutez, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs manières de faire, et il y a un débat parmi nous. Nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a un certain nombre d'intellectuels, certains sont représentés ici, qui se réunissent depuis quelques jours pour en parler. Alors, je peux vous annoncer deux choses. La première, c'est qu'il y aura mardi, à la Mutualité, une rencontre, un meeting, où ces intellectuels, Goupil, Rondeau, Glucksmann, moi-même, interpelleront les têtes de liste aux élections européennes
du mois de juin prochain. C'est-à-dire leur demanderont sur cette question-là, sur quoi, sur quel programme elles sont prêtes à s'engager. Par ailleurs, si les réponses n'étaient pas satisfaisantes, si nous avions le sentiment que les têtes de listes en question se dérobaient ou proféraient des promesses sans conséquence, alors je crois qu'il faudra faire une liste Sarajevo. Cette liste serait conduite ou sera conduite par le professeur Schwarzenberg. L'amiral Sanguinetti sera probablement dans cette liste. Les intellectuels que je vous ai cités en seront aussi. Et alors, il faudra qu'il y ait une liste Sarajevo. Car ce qui est impensable, ce qui ne serait pas concevable, c'est que la question de la Bosnie soit absente du débat. Et même mieux, qu'elle ne soit pas au cœur de ce débat. On va nous parler de l'exception culturelle. On va nous parler des montants compensatoires. On va nous parler de la monnaie unique. Toutes questions essentielles. Et je serai le dernier à l'oublier. Mais aucune de ces questions n'est plus importante que la question de savoir si nous défendons l'Europe en Bosnie-Herzégovine. Bon, alors, si on met à part... Donc, il y aura une liste aux élections européennes qui sera pas seulement... qui sera une liste symbolique, bien sûr. Une liste de témoignages. Qui sera une liste de plus, qui sera une liste de témoignages, bien sûr, et qui témoignera pour la Bosnie, car s'il n'y a que cette solution-là, alors il faudra bien y venir, parce qu'il est impensable que la question de la Bosnie ne soit pas au centre du débat. On ne peut pas... Une Europe qui se bâtirait sans prendre en considération cette question-là serait une Europe des charniers, serait une Europe des ruines de l'Europe à Sarajevo. Et pour notre génération, ça n'est pas imaginable. Bon, je voudrais qu'on consacre la fin de l'émission là, à quelques autres problèmes qui ne sont pas nécessairement tout à fait indépendants de l'affaire bosniaque, mais on a beaucoup parlé de la Bosnie. Il y a quelques autres points sur lesquels je voudrais avoir votre avis. Vous avez dit tout à l'heure, pour expliquer la situation en Italie, premièrement, la classe politique s'est déconsidérée. Deuxièmement, la société du spectacle. Est-ce que ces deux faits, vous les constatez également en France ? Bien sûr, bien sûr. Une classe politique ou un débat politique qui tourne aujourd'hui autour d'un personnage au demeurant sympathique, et qui d'ailleurs sur la question de la Bosnie n'a pas pris les pires positions, mais qui tourne autour du personnage de Bernard Tapie, ce débat politique n'est pas un débat politique sain, c'est évident. Bernard Tapie, qui dans un sondage du journal du dimanche aujourd'hui, est la seule personnalité politique qui est fortement en hausse quant à sa popularité. Oui, oui. Comment expliquez-vous le phénomène Tapie ? Je l'explique comme tout... Que vous regrettez, manifestement. Que je regrette, évidemment, oui. Non pas que le personnage, encore une fois, soit antipathique, non, bien d'accord. sûr. Mais, enfin, un homme qui, sur lequel apparaît quasiment toutes les semaines une nouvelle affaire judiciaire... Chaque affaire judiciaire progresser dans les sondages. Oui, bien sûr. Qui incarne ô combien ce populisme dont nous parlions tout à l'heure. On ne peut pas saluer comme une bonne nouvelle de santé démocratique sa montée au firmament des sondages. Bien sûr que non. Alors comment je l'explique ? Parce que, en effet, la classe politique récolte là ce qu'elle a semé. Et il est vrai qu'elle s'est largement déconsidérée. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'elle ne s'est pas tout entière déconsidérée. Il y a eu à droite comme à gauche, et il y a aujourd'hui à droite comme à gauche, des hommes politiques qu'en tout cas personnellement, je respecte. Mais il y a plus profondément une crise de ces systèmes de démocratie représentative en général dont profite le populisme. Est-ce que vous diriez qu'un homme comme Bernard Tapie, sa chance en politique, c'est qu'il est plus près du peuple, il comprend mieux ce qu'on dit dans les banlieues Oui, probablement. Enfin, il y a d'autres gens qui comprennent mieux ce qui se dit dans les banlieues, y compris... Ça ne se voit pas forcément. Vous avez au Parti socialiste quelqu'un comme Harlem Désir, qui, je crois, comprend mieux, et qui est ici, je crois, aujourd'hui, qui comprend mieux que Bernard Tapie ce qui se passe et ce qui se joue aujourd'hui dans les banlieues. Fodessila, le patron d'SOS Racisme également. Je ne crois pas que ça soit la seule explication. Et je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, que ce soit une vertu en politique. Vous savez, je crois que la... Je ne suis pas certain que la démocratie soit nécessaire, que la première vertu démocratique soit cette espèce de proximité fusionnelle avec le corps social dont on fait gloire à Bernard Tapie. Mendès France disait exactement l'inverse. Mendès France pensait au contraire qu'il y avait une distance nécessaire, une médiatisation nécessaire, une série de relais entre la volonté générale et son expression politique, dont les institutions étaient l'expression. Ça ne lui a pas réussi. Ça ne lui a pas réussi, oui, c'est vrai. Mais je me sens plus proche de Mendès France que de Bernard Tapie, néanmoins. Est-ce qu'il y a un danger d'extrême droite en France, encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr, encore aujourd'hui, probablement moins qu'il y a quelques années, mais qui pourrait grandir. Moi, je crois, par exemple, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais je crois qu'on peut en dire un mot tout de même. Il y a la question de la Bosnie, puis il y a une autre question, qui est probablement la question numéro un de la politique intérieure française aujourd'hui.
c'est la question de ce qui se passe en Algérie. J'allais y venir. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est la question numéro un de la politique intérieure française ? Parce que si, décidément, le fils, l'intégrisme triomphe en Algérie, alors il faut savoir que nous aurons en France 300 000, 500 000, 1 million d'hommes et de femmes qui viendront ici nous demander asile. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut y préparer l'opinion. C'est un devoir. Il faut y préparer l'opinion. C'est-à-dire que d'abord, sur le principe, il faut les accueillir. Sur le principe, il me semble évident qu'il faut les accueillir. Bien sûr. Il ne vous échappera pas que c'est en contradiction formelle avec l'attitude des gouvernements qui sont successifs, et notamment du gouvernement actuel. Et avec leur déclaration. Et notamment du gouvernement actuel et des plus récentes lois qui ont été promulguées. Eh bien, je crois néanmoins qu'il faudra les accueillir et je crois qu'on ne pourra pas faire autrement et qu'il faut y préparer l'opinion. Il faut que les journaux, il faut que les chaînes de télévision, il faut que les municipalités, il faut que les intellectuels préparent l'opinion à cela. Dans l'hypothèse, bien sûr, où l'intégrisme devait triompher, ce qui n'est pas non plus certain. Il y a aujourd'hui en Algérie des démocrates qui défilaient encore récemment dans les rues d'Alger, qui refusent l'alternative hideuse du terrorisme d'État, du parti au pouvoir et du fils. La partie peut encore être gagnée. Dans le cas où elle ne le serait pas, il faut se préparer à cette éventualité. Et vous croyez que, quels que soient les efforts des uns et des autres pour préparer l'opinion publique, cette opinion publique française est capable d'accepter l'idée qu'il y ait 1 million d'Algériens fuyant l'intégrisme qui viennent s'installer en France ? Il faudra que l'Europe, la France et l'Europe, en effet, s'y fassent, oui. Qu'est-ce qu'on fera ? On renverra les bateaux ? On les noiera dans la Méditerranée ? Qu'est-ce qui se passera ? Qu'est-ce qui se passera ? C'est en fonction des liens historiques qui existent entre la France et l'Algérie que vous prenez cette attitude, ou c'est une attitude générale à l'égard de tous les opprimés du monde ? C'est en fonction des liens historiques et c'est en fonction aussi des raisons qui font que ces hommes et ces femmes sont aujourd'hui victimes des assassins. L'Algérie n'est pas, hélas, le seul pays. Non, mais l'Algérie est un pays où on est assassiné parce qu'on parle et qu'on pense français. Aujourd'hui, quelqu'un qui parle français et qui pense en français est une victime potentielle, à chaque instant, d'un tueur intégriste. Donc nous avons des devoirs vis-à-vis de ces gens, bien sûr. On parlait tout à l'heure, je change de sujet, du malaise des banlieues. Il y a aussi le malaise de la jeunesse, d'ailleurs les deux se recoupent. Ce malaise des jeunes actuellement en France, est-ce que, à votre avis, il est dû d'abord aux conditions sociales dans lesquelles ils vivent? Ou est-ce qu'il est dû, comme certains le disent, à une espèce de perte des valeurs de la société ? Je crois qu'il est dû, bien entendu, à tout cela. Et je crois en même temps qu'il ne faut pas idéaliser cette jeunesse. Ça, je l'ai dit parfois, rien ne serait plus absurde que ce jeunisme qu'on a vu ici ou là s'exprimer, y compris dans ces dernières semaines. Ce n'est pas parce qu'on est jeune. L'œil des jeunes ne voit pas toujours juste, bien sûr. Néanmoins, il y a un malaise de la jeunesse, il y a une crise de la jeunesse, et cette crise n'est pas étrangère aussi à l'image que donnent d'elles-mêmes les élites politiques ou les élites tout court. Ou les élites intellectuelles. Ou les élites intellectuelles, bien sûr. J'attire votre attention néanmoins sur le fait que dans cette affaire bosniaque, sur laquelle je me permets de revenir, si vous le voulez bien, dans cette affaire bosniaque, le fer de lance de la mobilisation en France contre l'agression serbe, ce sont bien souvent des mouvements de jeunes. Les collectifs contre la purification ethnique, les collectifs étudiants, le mouvement de ceux qui ont voulu que Sarajevo soit la capitale culturelle de l'Europe, tout cela, c'était des étudiants, c'était des jeunes, comme vous dites, qui étaient à la pointe de ce mouvement. On parle beaucoup en France, depuis quelques années, de la fin des idéologies, de la mort des idéologies. Est-ce que le fait que, et on dit aussi qu'il n'y a plus de maître à penser aujourd'hui, est-ce que le fait que les intellectuels soient peut-être moins écoutés, moins entendus, peut-être qu'ils parlent moins, peut-être qu'ils ont moins d'idées originales ou convaincantes, est-ce que ce fait-là ne participe pas à cette espèce de désaveu général de la vie publique ? Je crois que ça a été vrai et que ça ne l'est plus. Il y a eu en effet un moment, dans les années 80, où on entendait moins les intellectuels, où régnait une sorte de consensus ou d'impératif de l'accord à tout prix au sein des intellectuels, mais je crois que ce temps est révolu et que les intellectuels recommencent à parler, et notamment sur la Bosnie. Ils ont commencé plus tôt, d'ailleurs, au moment de la guerre du Golfe, on les a entendus, au moment de l'affaire du foulard, il y a eu un vrai débat intellectuel en France. Et aujourd'hui, en Bosnie, ce sont les intellectuels, je crois, encore une fois, tous ceux qui sont ici, d'autres, Edgar Morin, qui ont été à la pointe de cette espèce d'état d'urgence que nous sommes un certain nombre à réclamer en faveur de la Bosnie. Donc on les entend.
Est-ce qu'on les écoute? C'est une autre affaire, mais je crois qu'on les entend. Devant ce malaise, banlieue, jeune, etc., est-ce que le gouvernement actuel, à votre avis, prend en gros des décisions qui correspondent à ce qu'il faut faire? Je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas encore. Et je crois que personne ne le sait vraiment. Personne de raisonnable ne peut vous dire aujourd'hui quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre sur les banlieues. Ce que je sais, c'est que les lois passent quoi ? La remise en cause partielle du droit du sol, qu'elles impliquent, le climat général qui les entoure. Je crois que ces lois-là ne sont pas de nature à rassurer une certaine partie, en tout cas, de la population des banlieues. Ça, j'en suis certain. Pour le reste, on va voir. Je vous le dis très humblement, je ne sais pas. Je n'ai en tout cas pas la solution miracle. Ce qui est évident, c'est que le lien social en France et ailleurs est en train de craquer en un certain nombre de points sensibles, notamment les banlieues, que ce phénomène est un phénomène essentiel dont les conséquences sont incalculables et qu'il faut bien sûr y remédier. Merci Albert Duroy. Une question qui se rattache à l'actualité du jour. Est-ce qu'il faut tout à l'heure donner le départ du Grand Prix de Formule 1 de Monaco ou l'annuler comme le pape vient de le demander ce matin ? C'est le genre de questions alors, sur lesquelles je n'ai vraiment pas de doctrine bien arrêtée. Seule chose que je peux vous dire, mais je vous le dis là encore très modestement et sans être du tout sûr d'avoir raison, que j'ai été très choqué l'autre dimanche, mais comme beaucoup de Français, lorsque le cirque a continué. Un homme venait de mourir et puis la fête continuait pour des impératifs. La fête et la publicité. Pour des impératifs qui sont ceux, on parlait tout à l'heure du spectacle, de la société du spectacle, on pourrait parler de la société de la marchandise. Bref, spectacle plus marchandise égale la fête continue, même si c'est sur le corps d'un homme qui venait de mourir et qui était infiniment sympathique. Voilà ma réaction d'homme, de citoyen. À partir de là, je ne sais pas. Bien, merci. Je voudrais signaler, avant de terminer cette émission, le livre de Zlatko Dizdarevic, qui est le rédacteur en chef de Libération, qui est parmi nous ce matin, Portrait de Sarajevo, préface d'André Glucksmann. Et je précise que M. Dizdarevic a fait aussi la postface du texte de votre film Bosnia, dont nous avons beaucoup parlé au début de cette émission. C'était donc l'heure de vérité de M. Bernard-Henri Lévy, auteur et réalisateur du film Bosnia, qui sera présenté ce soir au festival. Avec Alain Ferrari, qui n'est pas sur le plateau aujourd'hui, avec qui est à Cannes. Ferrari, avec Alain Ferrari. Pardon. Rediffusion cette nuit sur France 2 de l'émission à 2h15, c'est-à-dire après la projection de Cannes, et demain matin, lundi, à 11h sur TV5 Europe. La semaine prochaine, nous reprendrons nos débats sur les enjeux de l'élection pour le renouvellement du Parlement européen, face à face, Madame Elisabeth Guigou, ancien ministre des Affaires européennes, et Monsieur Philippe de Villiers, qui conduit la liste L'autre Europe. Voilà, bon dimanche à tous et bonne semaine. Qu'il ne soit pas dit, l'Europe est morte à Sarajevo, Bernard-Henri Lévy, 15 mai 1994.